peur que des malheurs, la ville de Goma ne sera pas prise par la rébellion du M23 qui menace, rassure le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est, ce 16 novembre 2022 à Goma. Jeff Nyaga revient sur la présence des éléments de cette force à Goma depuis peu. As a force commander, that is very clear. We are here to protect and defend the Goma International Airport, including the force. Le général-major Chiko Tshintambwe, sous-chef d'état-major, lui reste optimiste quant au retour de la paix. Beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive. C'est-à-dire ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'est de la République, et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre pays. Une fois encore, merci beaucoup. À Goma séjourne une grande délégation officielle du Kenya, dont l'ambassadeur Georges Nassafou et de nouvelles unités arrivées ce mercredi 16 novembre 2022. Le général-major Kalonda Fambaka, commandant du secteur opérationnel Gwele, accompagné de ses deux adjoints, à savoir le général de brigade Banyue Sizé Boulanga Pierre, commandant adjoint en charge des opérations et renseignements, et le colonel diplômé de stratégie de défense Nkulu Mukunkwe Simon, a présidé une réunion de travail à l'intention des membres de l'état-major et des commandants des unités opérationnelles de son ressort. C'était le mardi 15 novembre 2022 dans la salle de réunion de l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, situé à 210 km de la ville d'Isiro, chef-lieu de la province de Haut-Ouélé. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux commandants de prendre connaissance des réalités de son unité afin de faire un état de lieu adéquat. Au cours de cette réunion, le colonel Mumpa Foloko Flo, chargé des renseignements, a exposé sur la situation sécuritaire et il a proposé quelques pistes de solutions pour une bonne prestation de son service. Quant au colonel Ndelo Kibanda et Komba Komba Justin, chargé des opérations, s'est apaisanti sur la situation opérationnelle de l'espace Ouélé, mais aussi comme son prédécesseur, a fait quelques recommandations pour le déploiement des éléments y égard à la situation actuelle. Ces exposés ont été suivis d'un jeu de questions et réponses. Dans son mot à l'assistance, le général Kalonda a promis que toutes ces suggestions seront traitées au cas par cas pour leur exécution. Profitant de l'occasion, le commandant secteur opérationnel Ouélé a exhorté ses interlocuteurs de faire le travail comme il se doit et surtout de suivre de près les services intérieurs pour notre sécurité. Les chefs militaires doivent avoir les soucis de ces militaires, a dit le général Kalonda. À cet effet, il a interdit la banque Lambert, une pratique qui déshonore notre armée. Le commandant secteur opérationnel Ouélé a toutefois condamné le déploiement illicite des militaires dans sa zone de responsabilité. Désormais, tout déploiement doit être sanctionné par une autorisation au préalable, a-t-il insisté. Le numéro 1 du secteur opérationnel Ouélé a fini son message en appelant les officiers à la loyauté et à la fidélité au commandant suprême et aux institutions légalement établies. La nouvelle équipe dirigeante du secteur opérationnel Ouélé fait de la situation socio-économique de ses militaires son cheval de bataille. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister
à l'ennemi. Je vous remercie. Une chambre de la haute cour militaire présidée par le général magistrat Mukendi Freddy séjourne à Kisangani où elle organise des audiences foraines pour quelques dossiers judiciaires en appel. Il faut noter que cette chambre est composée du général de brigade Mukendi Freddy président, du général de brigade Kalala Martin, du colonel magistrat Muka Arma conseiller à la haute cour militaire, du colonel magistrat Tamboué, avocat général et ministère public, et du colonel Jacques Njoko, greffier à la haute cour militaire. En ce qui concerne les juges assesseurs, des officiers supérieurs sont retenus, dont le colonel Nkulu Ankulu de la force navale et le commissaire supérieur principal Kingombe Floribert, commandant de la police nationale congolaise ville de Kisangani. C'est mardi 15 novembre 2022 que la première audience de la haute cour militaire a eu lieu dans la salle des audiences de la cour militaire de la Tchopo où elle est. Après les honneurs militaires, cinq causes étaient appelées à cette audience qui s'est résumée en l'identification de prévenus, la comparution de leurs avocats conseils avant que le président du CEAN ordonne la suspension de l'audience pour la régularisation de la procédure en appel par le greffier. L'Association des femmes entrepreneurs pour le développement durable du Congo a ouvert samedi 12 novembre 2022 au sein de la paroisse de l'aumônerie protestante de Kalietina Colonel Kokolo. Une séance de formation à l'étation de membres composés essentiellement des épouses militaires et policières. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'entrepreneuriat de l'agro-pastoral en partenariat avec la Société plurielle et l'éco-banque. Cette séance journalière consiste à l'amélioration de la performance de participants de la gestion des activités génératrices et de revenus de l'initié à l'épargne responsable. La formation s'est déroulée à présence de la présidente de cette structure qui a pour vocation de mobiliser les épouses militaires et policières à se prendre en charge, Madame Brigitte Walaka Yabigo. Après la présidente de l'AFDEC, le directeur général de l'Ecobanque, M. Joël Baïko, s'est exprimé à notre micro. Mais en plus de l'aide, ce que vous c'est pour ça qu'on a couplé cette vision de la maternité avec cette séance de formation pour essayer de donner à ces femmes qui ont déjà des commerces et qui essayent de se battre les outils, mais également les astuces pour pouvoir accroître leur business. Alors on va aller plus loin, on ne va pas se limiter à la formation, c'est qu'on va entretenir les relations avec ces femmes. On va ouvrir des comptes à ces femmes, on va les accompagner, on va financer certains business pour qu'elles puissent croître et qu'elles puissent derrière elles aussi prendre en charge leur famille et financer leur business. Puis après, le service d'éducation civique et action sociale a organisé une visite guidée pour réconforter des épouses militaires et policières internées à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. L'assaut du mouvement du 23 mars sur Kibumba en territoire de Nyiragongo le dimanche 13 novembre 2022 a tourné au vinaigre. La rébellion couplée à l'armée rwandaise qui tentait de prendre le contrôle de Kibumba a été repoussée par l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Le sacrifice suprême et le maître mot de FARDC aligné sur la ligne de front dont l'action foudroyante du dimanche a conduit l'ennemi dans les profondeurs du parc national de Virunga, lui infligeant ainsi de lourdes pertes humaines et matérielles. Affirmation du lieutenant-colonel Dike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire et des opérations Sokola 2. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent, chaque jour qui passe, de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé
attaqué une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et surtout, surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la troisième zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous continuons à l'attaquer en profondeur. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant que un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Soulignons que le commandant en second de la troisième zone de défense, le général-major Kiamasa Mutupeke Dieudonné, se personnellement rendu sur la ligne de front en vue d'encourager les troupes. Le lieutenant-général Rubassira Ruyumbo-Bed, nouveau commandant général des écoles militaires, a réuni du lundi 7 au mardi 8 novembre 2022 dans son office les membres de son état-major. La mission assignée au commandement général des écoles militaires, son organisation et son fonctionnement ont été au centre de cette rencontre. Le général de brigade Diour Mouchaïli Jean-Baptiste, chef d'état-major de cette structure militaire chargée de la formation, a, dans sa présentation, retracé l'historique du commandement général des écoles militaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Mai 2013, que le CHMA a été créé par l'ordonnance loi numéro 13/061 pour assurer individuellement l'instruction des militaires. Il y a eu successivement le premier commandant du CHMA, c'était le général. Comme je l'ai dit au début, les gens ont de il est passager comme le général Panzer l'a été. Et demain, ça sera le général Poukal, ça sera les autres. Et tout le monde a la même chance. Et ce qui est important, c'est d'y travailler. Et pour que quand le train marche, avant que vous n'arriviez à destination, pour que vous soyez présent. Et le secret, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline, tout s'azimite. Loyauté au commandant suprême, fidélité et obéissance, et à tous les niveaux, jusqu'au commandant Gèze, jusqu'au commandement des écoles. Militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, notre serment. Le général-major Kalonda Fambaka, nouveau commandant du secteur opérationnel Ouélé, a présidé une parade mixte Forces armées de la République démocratique du Congo Police nationale congolaise. C'était le vendredi 11 novembre 2022 à l'état-major de cette grande unité de l'armée située à Dungu, territoire de la province de Haut-Ouélé. 6 points étaient retenus dans sa causerie morale, notamment la situation générale et particulière, la discipline, la loyauté, la fidélité, la disponibilité permanente et la mobilisation populaire comme vu les de l'État. Abordant le premier point de son message, le général Kalonda a éclairé la lanterne de l'assistance sur la nouvelle mise en place initiée par les commandants suprêmes à tous les échelons des forces armées de la République démocratique du Congo, la dite mise en place qui l'a conduit à la tête du secteur opérationnel Ouélé et ses deux adjoints, à savoir le général de brigade Banyozize Boulanga Pierre, commandant second à charge des opérations et renseignements, et les colonels diplômés des stratégies de défense Koulou Moukoumpoué Simon, commandant second chargé de l'administration et logistique. La discipline étant la mère des armées, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a exhorté à ses frères d'armes à la régularité au service et à une prompte exécution aux ordres donnés. Quant à la loyauté, le général Kalonda a recommandé à ces derniers de bien respecter les lois de la République et c'est à ce titre que nous gagnerons la confiance du commandant suprême
a-t-il renchéri. Dans ces points, il a interdit la pratique des bancs flambeurs qui cause la désertion dans nos rangs et même la déstabilisation familiale de nos militaires. La fidélité doit caractériser la vie des militaires dans l'exercice de leur profession, a dit le commandant secteur opérationnel Wayne. Aussi, il les a recommandés de mettre en pratique la devise de notre armée qui est de ne jamais trahir les Congos. Aller à la contre de cette devise sera la haute trahison, a-t-il martelé. Le numéro 1 du secteur opérationnel Wayne a précisé qu'un secteur opérationnel est une unité de mise en œuvre, c'est-à-dire que tous les militaires de cette unité doivent être prêts de répondre à toutes sortes d'éventualités et ils doivent se comporter en opération. Le général Kalonda a réitéré le message du président de la République à la nation sur la mobilisation populaire aux éléments du secteur opérationnel Wayne. À cet effet, le numéro 1 du secteur opérationnel Wayne a demandé aux hommes en uniforme ici présents de s'en approprier et de se mettre en état de guerre. Il a ordonné aux éléments de la police nationale congolaise de sa juridiction de sensibiliser la population quant à ceci. Au sorti de cette parade, le nouveau commandant du secteur opérationnel. Notre message, c'est le message du commandant suprême du 3 novembre le jeudi passé, où il s'était adressé à la population tout entière, où il insistait sur la mobilisation générale. Était martelé par le message du commandant suprême où il mobilisait, il sensibilisait la population d'une façon générale pour qu'elle puisse adhérer. À mon commandement, alignement, gardez-vous au centre, portez armes. Maintenant, avec détermination, nous allons finir la guerre. Chef d'état-major général Christian Tshuwewe. Vous qui vous réunissez avec l'ennemi. Vous qui êtes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. L'ennemi. Qui prennent ses coups, on va sans force devant toi, les séjours des morts venus. Et l'abîme n'a point de voie. Yeah.
Armo pied, repos.